à Grand Hygiène. La chasse à votre soif est si facile à épeler. J-A-C-K-I-T-E-A-U, Jacquito. Soigneusement traité, purifié par osmose inverse et ultraviolet, ozoné pour garantir le maximum de fraîcheur. Cette vaste opération se passe à la ferme agricole de Mérande, Ferrier, Haïti. Buvez Jacquito, l'eau qui désaltère. En vente partout. Info 37 28 84 09 40 79 15 48. Moi c'est Gazman Couleur. Combat Magazine, c'est Lilié. Pachuco, dis-yo ça. Debit 4, pas crédit 4. Si on veut comprendre. Salut, bonsoir, bienvenue sur Combat Magazine avec nous Jacques Sauveur-Jean. Jacquito, n'ap salué, qui j'en yé, qui j'en tout bagayé. Salut, Pachuco, à tout internet et à Fanatic Jacques Sauveur-Jean qui est toujours en premier dans la vie. Bonsoir. Bon, Jacquito, nous pas qu'il y a longtemps, mais c'est sûr que nous au courant, nation en deuil et. Est-ce qu'on songe qui côtoyait le ou joint une nouvelle ça? Qui réaction exactement? Bon, m'a d'abord voyé des mots de sympathie et de condoléances à la famille du président de la République, à ses sympathisants et au peuple haïtien en général. Et dans un moment de tristesse ça, pour me faire reconnaître que me partager profondément avec vous. Moment difficile ça et m'a fait profiter pour remercier Boca Magazine pour l'opportunité hein? Même cadeau Pachuco l'homme prend frappe ça moi j'étais très près du président Jovenel puisque il fermait téléphone avec moi à 9h10 du soir et dernier message que m'envoyer Bali après que le fermait téléphone avec moi. C'était à 9h18 qu'on s'est envoyé messageant. Et on a eu deux bonnes heures de conversation le jour même qu'il allait mourir. Et lui dit moins des bagailles qui étaient fort. Et je n'étais vraiment pas de comprendre. Parce qu'au fond, il y a quelques 1 an 6 mois après ce que j'aime parler aussi bien et aussi souvent. Et puis subitement, dans les dernières semaines, il y a eu presque chaque jour et nous parler. Des dossiers, surtout yon nan dossier qui était toujours à l'ordre du jour ensemble avec lui. C'était dossier en canal que l'a fait dans la zone frontière là, qui gagne contestation dominicain yo, et que moi-même m'a fait moniteur évolution travail là pour permettre que nous a irrigué pleine Maribaroa au profit des paysans. C'était un souci et que l'a gagné ces jours-ci parce que l'a envie absolument que bagay sa réalisé. Et puis, il dit plusieurs bagailles qui t'ont attiré l'attention. Par exemple, Jacquito, ou connaît très bien qui modèle bataille m'a mené. Si me tombe, pas camper bataille là. Il dit, waouh, non, je sais qui parle tomber, on va parler là, on va aller comme ça. Et puis, il dit, de toute façon, boulette, c'est poussière à la guerre comme à la guerre. C'est un slogan que je toujours utilise avec moi. Et puis, nous parler, nous gagnons pour le terrer vers 11h du soir. Et puis, il dit, sous un pari à 11h, on met qu'on est demain à 7h, on a préparé ce dossier. Et puis, nous, on fait des plaisanteries, il dit tout, viens, je m'en ai besoin, viens, je m'en ai besoin de parler avec vous. Et c'est de près pour nous. Et puis, il dit, monsieur, moi-même, vous pouvez mettre dans mon corps, je vais prendre la main, en mi-temps, je vais prendre la parole. Puisque je vais toujours faire plaisanterie ça avec elle. Et puis, mal dormi, à 4h du matin, je recevais un coup de fil d'un ami. Qui dit mon conseil, est-ce que je prends une nouvelle là? Je demande qui nouvelle, et puis je dis que le président est mort chez lui, assassiné. Et puis je dis, monsieur, n'en rêve ou quoi? Et puis c'était en vérité, et puis je réalisais que tout bon, le rêve, la cause est vraiment juste, mais il faut croire
que tout est dans l'art et dans la manière. Franchement, c'est une bataille qui était très sérieuse, à point que le président finit assassiné, torturé, dans ce sens qui fait mal à tout Haïtien et au monde entier. Est-ce que le bon nouvel an, ou dimanche 24h du matin, est-ce que après qu'on finit raccrocher avec les amis qui bon nouvel là, est-ce que vous avez essayé le président Jovenel? Non, pas essayé le. Moi, fais un survol sur tous les réseaux sociaux pour me regarder est-ce que c'est une nouvelle confirmée. Et je viens réaliser que à chaque page de nouvelle, moi, j'ai une nouvelle là. Mais moi, j'étais jusqu'à ce que mon page me dormi encore. Et puis, moi, levé. Quitter cabanement de très tôt et me commencer passer des coups de fil à des proches qui a confirmé moi et ce matin là me font coup de fil à l'endroit du premier ministre nous parler quelques secondes et comme il était au beau milieu de sa tornade et moi pas qu'un bien trop longtemps mais le confirmer avec moi et même plusieurs stations de radio pour confirmer. Et puis, me choquer, me désaccorder, désharmoniser. Et jusqu'à présent, c'est très difficile que moi, confirmer comme normal. Bon, Jacques, qui sort comprendre dans le ça? Qui sort ouais dans le dossier ça? Parce que, il y a différents bagages qui sont left and right, pas de monde qui est clair. Qui sort comprendre nous-mêmes? Moi-même, Pachuco, nous sommes toujours clair. Et moi, je suis clair jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis très, très clair. Équation bien balancée, bien équilibrée pour produire de tels résultats. Parce qu'au fond, là où regardez Jean-Président Jovenel Moui, il y a une distorsion dans le crime qui pouvait une haine des plus grandes que tu es capable d'imaginer. Parce que c'est pas un monde qui mourit d'un balle dans à la tête, d'un balle dans le cœur. C'est pas un monde qui mourit d'un accident quelconque, un bagage qui passait à la seconde du carabinier. C'est un monde qui mourit côté que monde capturé, il prend temps pour le torturer pour passer un message fort. Et un message fort non seulement à lui-même, à sa famille, à la nation haïtienne et au reste du monde. Parce que à ceux qui veulent croire, ou bien ceux qui veulent faire croire que Haïti est un petit pays de la Caraïbe, je leur dis tout simplement que c'est faux. C'est une extension de l'Afrique. Et qu'il y a des expressions qu'on voit manifester à l'endroit d'un président haïtien, c'est pour dire quelque chose au reste du monde. Parce qu'au fond, l'Afrique se trouvant au cœur des débats de nos jours, de débats contradictoires se trouvant au beau milieu d'une bataille de civilisation, je fais confiance que Haïti qui a sur le dos ce châtiment qui est la première république nègre indépendante, qui a apporté ce démenti formel à ceux qui voulaient faire croire que les Noirs sont des sous-hommes, il faut croire que ses adversaires sont encore là. Ils sont de taille et nombreux. Donc, sur ce, moi, je dis que ce n'est pas un petit bagage pitié, parce que ce n'est pas l'assassinat d'un président quelconque. Ce n'est pas l'assassinat d'un président de la Caraïbe. Ce n'est pas... Oui, vas-y, nous t'attendons. Vas-y. Ce n'est pas l'assassinat d'un président de la Caraïbe. Ce n'est pas l'assassinat d'un président quelconque. C'est l'assassinat d'un président haïtien avec un crime. Oui, Jacques, vas-y, il semblait que le gouvernement continue. Vas-y. Oui. Avec un crime distordu qui montrait clair au reste du monde qu'il y a un message fort à faire passer et il passe par ce président haïtien qui est considéré comme un symbole emblématique même de la lutte des Noirs face à cette genre de traitement, à cette civilisation. Et le message est bien reçu. Maintenant, le peuple haïtien a reçu le message avec beaucoup d'émotion, à point que le silence fait place. Mais il faut croire que c'est un silence complice parce qu'on a reçu le message en tant que peuple, comme on l'avait reçu lors de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Et étant donné
que c'est la même lutte, c'est la même bataille, je dois vous avouer que sans Nexario, pas couler pour grand merci. Wow. Et bon, Jacques, bonjour. Et pour un pile monde, son film, pas pour les là, c'est un movie, son film, pour un pile monde. Est-ce que vous satisfait ça y a bon là jusqu'à présent ou pas en termes de conférence de presse et tout ça, ça va pas jouer, mais ça va faire, mais ça va faire. Est-ce que y en a bon ou d'abord même, est-ce que vous satisfait avec Jean enquête là, à faire la bike à tomber ou bien non et c'est pourquoi ça? Tu vois la mort de Jovenel Moïse comme président d'Haïti? Bike créole là-bas, pour mon yon pas comprendre. La mort du président Jovenel Moïse, femme confiance, c'est un comme t'as dit, c'est un grain que vous mettez dans le pied bois liberté. Parce que au fond, tout Haïtien et tout monde comprend que, écoutez donc, c'est la première fois nous au cinéma déroulé avec autant de facilité. N'importe qui petit bébé qui comprend que c'est quelqu'un qui a été livré. Parce qu'au fond, hey, il n'y a pas eu de contraintes, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Mais maintenant, si chapitre, les premiers chapitres livrant, déroulé comme ça, ou mettre tant de développement et conclusion, ou pas besoin de tant d'empire surprise. Le problème que nous avons en Haïti, c'est que nous, Remen Goumen, nous venons faire nous sembler presque une nation de haters, côté que nous yon a Goumen contre l'autre. Moi, je fais mention d'une telle action à travers un vidéoclip que je réalisais dans la musique mentalité. Moi, je mettais deux coques à Goumen, pas tout court. Mais pour qu'ils aient utilisé deux coques, c'est parce que l'image clé, regardez aujourd'hui, il y a une coque qui est tombée. Automatiquement, on est en joindre des coques qui n'ont pas eu pour remplacer la coque qui est tombée et puis pour bataille la continuer. Mais sachant que leur coque a boumé, leur coque perdu ou bien coque gagne, ce n'est pas coque qui perdu ou bien coque qui gagne, c'est même coque qui perdu ou bien même coque qui gagne. Ce sont les propriétaires de coque qui a boumé là et là qu'on y a. On pas comprendre que Haïtien était carrément, il aurait laissé la France un pays ami. Les États-Unis, le Canada, et l'Angleterre, l'Espagne, il aurait laissé des pays amis après que constitué en Haïti, ça qui aurait le corps groupe, ce seul point ça que ont entendu sous lui tout à l'unisson et ce seul pays tout que ont entendu sous lui en tant que corps groupe pour prendre des décisions pour une nation. On pas comprendre Haïtien en bataille que la mené hein, si l'histoire dit vrai. Nous t'arrêtons, mais qu'on est, est-ce que ces pays-là sont considérés comme des pays amis? Parce que je dis, même une situation critique, une constitution n'est plus de mise, les institutions sont définitivement démembrées, et on attend que les mots de ces pays amis pour savoir qu'est-ce qui va se passer en Haïti. Donc, moi-même, en tant qu'homme d'État, en tant qu'ancien sénateur, en tant que citoyen haïtien, on regarde ça avec un yeux assez triste. Et mon cas, ouais, que par un pile monde qui est à comprendre. Et comme moi, je toujours dis bagaille à l'avance, comme moi, je toujours ouais bagaille de loin, on t'a souhaité que nous comprenions si nous prenons goumen, si nous gagnons goumen pour nous sachant que fois ça, il faut y diverser avant même que nous lancions dans la bataille pour ne pas continuer goumen tête nous. Parce que là, je dis, au cas où est clair que nos adversaires sont de taille et nombreux. Et je reprends cette phrase souvent, que ce pays n'est pas ce pays n'est pas mal organisé, ce pays n'est pas désorganisé. Haïti, c'est un pays qui est méchamment organisé par des gens super intelligents et qui ont les moyens de leur politique afin d'imposer à ce peuple, à cette nation, afin de pérenniser la douleur, le malheur de ce peuple et d'atteindre leur objectif en imposant un système aux Haïtiens que nous ne sommes pas cassés si nous même pas comprendre que Jodia, c'est notre bataille, c'est bataille nous que louer et ceci jusqu'au dernier soupir. Moi-même, en disant Negio, son expression, même garder blanc yo, à l'extérieur de tout ça. Garder blanc yo, garder Negio, et puis me dit, monsieur, c'est une bataille contre même le Tout-Puissant, c'est une bataille contre l'humanité. Parce que Haïti se trouve au cœur de l'humanité avec une série d'actions comme la cassure de l'esclavage, une civilisation qui est révélée inacceptable de tous les temps. Et je dis qu'un pile monde regrette parce qu'au fond, si l'esclavage était encore de mise, il n'y aurait pas autant de douleur, autant de peine à une nation qui
et lui-même porter sur les épaules le prix de l'esclavage. Bon, donc, oui, bon, Jacques, excusez, bon, Mando, ou pas que, en pile, on trouvait ça bizarre. Qu'on fait yo joindre au président facile comme ça, yo rentrer la cali facile comme ça pour yo faire ça yo faire. Oui, vas-y. Laisse-moi te dire Patrico. On a deux peuples presque similaires avec une civilisation presque similaire. Créole. L'Afrique du Sud et Haïti. Gardez bien pour vous. Nelson Mandela est mort sur son lit d'hôpital de vieillesse et de maladie. Et Jean-Jacques Dessalines est mort assassiné. Assassinat fait objet de monde qui gagne de traîtres autour de lui, des ennemis de taille, de loin ou de près, qui sont capables de causer la mort par n'importe qui moyen. Donc ce peuple, avec une série de vieux proverbes Mazora que ont implanté dans le nous, depuis la Guinée Nectarine, le complot qui est passé Wanga, fait que nous vulnérables. Et, regardez bien pour vous, sécurité, c'est pour moi, Machiavel, j'aime trop besoin. Parce que c'est facile que vous atteignez nous, l'on surveillé par des gardes haïtiens que sous pour contour avec tes esprits. Fais-moi confiance que tout ça que vous attendez là, vous révélez que c'est quelqu'un qui a été livré. Livré de A à Z. C'est-à-dire que personne n'a pas qu'à, ou du moins pas ouais, ou du moins pas qu'à ouais, que ça a vini. Si on ne dit pas même mon chalotin macadieu pour le cas de Jovenel, cela veut dire que l'adversaire est de taille et nombreux. Bon, gros parle, en fait, je dis là, comme t'as répété, répéter, affaire de sécurité haïtienne. Répétez-le encore. Ou dit que, ou pas machin avec sécurité. Vas-y, pour qui ça? Parce que, il est plus facile que vous atteignez avec sécurité ou avec monde. Parce que chaque monde qu'on y a là, qui rentre dans le poste, par exemple, pour sécuriser un VIP, imaginez peut-être lui, comme si Mdadou, lui-même, c'est grave, oui. Moi-même, j'ai un yeux pour me lire certaines choses, et ça fait que moi, j'étais à l'écart de certaines pratiques. Mais Mdadou, un petit bagage, où qu'on garde que, où qu'on est vulnérable, plus de monde qui est autour de vous, parce que y a chaque objectif, et ça n'a rien à voir avec objectif par là. Il n'y a pas même une notion de sacrer le président. Après que vous avez livré au président avec la plus grande facilité pour quelques sous, ou du moins par la peur. Il n'y a pas même connaît exactement ça veille qui sacrifie, qui valeur. Et ça pouvait clair. Mm-hmm. Ça pouvait nous clair que il y a une question d'éducation qui est de mise pour permettre que chaque monde connaît qui ou alloué pour qui ça. Moi-même, moi, toujours, quoi que le plus grand de tous les esprits, c'est le bon Dieu. Et c'est lui qui décide, à travers l'intuition qu'il te donne, comment et quand faire quoi. Donc, moi, toujours été quoi qu'on est fait pour vivre ensemble. Et c'est ça que fait, même si je suis un gardien ou en sécurité, moi, je vivais avec le temps qu'on fait, parce que je ne pas voulu faire sentir que moi, je suis VIP, que la sécurité, parce que dans la tête, ce n'est pas ça que lié. Et le pape, j'aime ça. Pour la simple et bonne raison, que j'en ai parlé là avec Haïti, mon cher, mon petit leçon de ta main que nous apprenons. On dit le peuple haïtien ou la nation haïtienne. Mais vous, il y a une connotation que vous avez de peuple que nous devons prendre attention, que nous devons faire attention à lui. Quand on dit le peuple, c'est souvent il y a une masse défavorisée, modeste, avec une grande majorité de gens livrés quelque part à leur propre destin. Et on dit le peuple ou la nation. Et quand on dit nation, il faut croire que nation, on dit le peuple haïtien ou la nation haïtienne. Et quand on dit nation, nation, sont leurs bagages. L'y envelopper tout l'espace et tout contenu qui gagne à l'espace. Sans distinction de couleur, sans distinction de race, parce que, on te dit dans la musique, on te dit jeune, dans le cœur, tout le monde qui vit là-dedans. Cela veut dire que, on pas fait exclusion. L'homme t'a pensé texte ni rouge, ni noir, ni blanc, ferme confiance que, dans le cœur, tout le monde qui vit là-dedans, l'amour doué blahi. Mais maintenant, si on monde qu'on est à vivre en Haïti, et puis, ou garder ou toute fragmentation ça, qui gagne dans la société,
même équation bien balancée pour créer autant de gangs armés, pour créer autant de traîtrises, pour créer autant d'assassinats, pour créer autant de choses négatives et inacceptables dans une société comme la société haïtienne. Donc, sans le soutien de même on comprendre, pour ne pas plaider à bail connotation de peuple, comme si Mdadou a une couche de monde, et puis on dit le peuple ou la nation. On ne dit pas le peuple et la nation, parce que les deux, je vous l'ai dit, même bagaille. Donc, nous avons pile qu'on apprend pour nous poser problème noir pour que demain nous ayons une solution à problème ça, parce que le droit dure. Ok, Jacques Bomodo, Mapmeto, comme disons que, et Wap mène une enquête ou son détective, et yo diou, qui est-ce qui bon plus bon pourcentage en termes de qui est-ce qui plus responsable d'après vous-même en termes de ça qui est président ennemi président ou bien monde qui proche président en termes de pourcentage? Bon, attendez, le président n'avait pas de proche. Mourir de cette façon mettons en face d'une situation où t'entourer que d'ennemis, parce que je crois que la mort a trompé vigilance tout le monde avec autant de facilité. Et donc, il était entouré que des ennemis. Wow. Politique pas en jouette, hein, Jacques? Politique pas en jouette, même monde qui a couteau là et qui doit avoir l'amour pour, alors? Non, mais écoutez, donc, comment le faire arriver comme ça s'il pas te la donne? S'il pas te la donne, comme ça. Et Marc Douron-Tibal, mais trop tard pour désespérer. Parce que quand on est déjà là-dedans, il faut croire que le problème est réel et qu'il nous faut une solution de toute façon à ce problème. En aller après assassinat, qui j'aime faire tomber pour vous et puis vous pas camper pour moi? Plutôt me t'arrêter à genoux. Ah non, c'est pas ça. Le peuple haïtien commençait beaucoup plus intelligent. Au lieu qu'elle réagisse tant qu'on est fou, tant qu'on longtemps, pour te courir prendre la rue, à le craser, briser, sous des accusations, côté que, et c'est la grande surprise pour ceux qui ont commis le crime. Le peuple a commencé à réagir tête prête, mais ferme confiance, donc assaut pour le lancer. Et assaut, ça, c'est pour un assaut qui peut le lancer avec une idée de le craser, briser, non, pour résoudre le problème une fois pour toutes. Ce que j'aime tout ça, Pachuco, le silence de ce peuple, son silence intelligent, c'est pour silence. Dadou d'ignorant, puisque tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Et son peuple qui n'a jamais paix. Peuple haïtien n'est pas contre paix. Ce n'est pas la peur qui ne fait pas réagir tout de suite. Bon, Mandoba, est-ce qu'on est surpris un peu parce que peut-être, est-ce que d'abord, même il y a des gens qui pensaient que l'œil a tué le président, parce que tu as un pile de monde qui était contre lui, tu as un pile de monde qui était avec lui, mais tu as un pile de monde qui était contre lui en termes de population, en termes de peuple, le ouais que le peuple a réagi comme ça, est-ce que ça fait un pile monde saisi comme si, oh, il n'est pas content que M. Mouri, non? Eh bien, même Douzak passe pas tout court. Ces derniers temps, Jovenel, c'est un président qui est le plus populaire qui est Haïti, je me connais. Il fut un temps où, à un certain moment de la durée, c'est un pile manifestation anti-Jovenel, mais ce n'est pas anti-Jovenel, non, anti-série de action que Jovenel pas trop fin clarifier pour nous. Et c'est ça que fait le monté au créneau, lui courir à expliquer avec éloquence ça l'a fait pour permettre que Mounio comprenne. Parce que lui te comprenne que c'est silence-là qui fait que yo traite comme ça. Et puis, c'est peut-être l'erreur qu'il a commis. Parce qu'au fond, un président, ou pas besoin de parler, tout parler, ça yo, pour faire ce qu'on peut faire. Et monsieur tellement te vin gen moun k'ap suivi et adhéré à ça que l'a posé comme action yo te commencé pas tolérer li. Et garde bien pour dans football là un joueur arrive tacler un autre c'est parce que l'elle pas le faire gol là monsieur il était sur le point de marquer le but. Jacques Sauveur Jean qui dit ça, il était sur le point de marquer le but et de faire triompher l'équipe et puis subitement joueur a plongé, il quittait boule, là il cassait pied joueur. Et pas grand habit pour bail carton rouge. Juge de ligne pas soufflé, même publiquement manqué ni golfette, attendez qu'un cri. C'est une situation assez bizarre.
son gros déclaration fait là, ou dit que le tapal by goal là, c'est ouais que le tapal by goal là, et puis on ballon tac. Même quand ou je pas tombé. Oui, oui. Monsieur tape valé terrain. Monsieur tape valé terrain parce que monsieur a un dossier dans même, monsieur a des dossiers dans même, c'est des causes justes que tout le monde a constaté. Mais maintenant, tout est dans l'art et dans la manière. C'est la raison pour laquelle, comme je dis, à quiconque voulait prendre en charge le dossier haïtien, doit connaître qu'on a fait avec une nation. Et que la nation, c'est tout espace et tout contenu. Donc, son bagage qui m'a dit qu'on vient de bonne manière pour aborder. Wow. Samedi là, là, moi, je consulté un pile monde dans différents secteurs. Moi, c'est un nèg qui a chance de parler à. C'est ça que je me compte bagaille ou bien. Moi, j'ai chance que j'ai des gens qui ont pas trop avoué de vérité. Moi, j'ai chance de parler avec deux. On parle de la, de la bourgeoisie haïtienne. On a de cette bourgeoisie et certaines personnes qui en a marre, qui en ont marre de la façon dont la nation a évolué. Mais qu'on y a forgé en capacité, même pas de par formation en tant que planteur, mais qu'on est que l'autre triangle qui pas bon parce que lui pas germain ou pas besoin jeter, ou bien doit conserver le bobaille pour lui. Parce que pour la manger et la bonne viande pour manger plus tard. Pour pas jeter aucun grain. Parce que il y a des mauvais graines dans tout angle dans le pays d'Haïti. Il y a des mauvais graines dans le mitan nous. Mais il faut qu'on fait bon triage pour que l'on retire de ça. Ou pas laisser le quoi que c'est voyou pour le jeter. Mais plutôt pour le mettre dans l'autre espace à d'autres fins. Pour permettre que nous ne pas travailler en vain. Parce que le problème est réel, Haïti pas carré de comme ça, il faut nous résoudre le problème. Non. Mais well, je regarde la situation avec mes yeux de prophète et je vois qu'il faut une solution d'urgence à ce problème, car le problème a trop duré. Bon, Jacques, et élection qui vous faites, ou bien Américain, tu as supposé prendre contrôle du pays? Bon, moi-même. Si c'est moi qui dirige Haïti dans ce moment-là, je ne demande ni Français, ni Américains, ni Canadiens. Le corps groupe me dit, oh, monsieur, faut camper de l'autre côté pour mon moment, s'il vous plaît. Quel que soit, j'en ça t'est dû, je cherche une solution avec Haïtiens en dedans, en avant. Je n'ai pas besoin de compter qui est-ce qui a tort ou qui est-ce qui a raison. Là, je finis de résoudre le problème. Oui, je sais que la diplomatie est incontournable, est indispensable. Je n'ai pas toujours les délégués et monsieur Blanc et pour me dire, oh, monsieur, nous concluons en solution à problème, non? Et je vous invite maintenant à prendre place autour de la table. Même pas qu'à prétendre que ce sont. Moins gourmand la France déjà. Moins gourmand avec les États-Unis déjà. Moins gourmand avec l'Angleterre déjà. Moins gourmand avec l'Espagne déjà. Moins gourmand avec le Canada déjà. Et voilà qu'aujourd'hui, on constitue le corps groupe en dans même chambre à discuter de problèmes moyens pour expliquer qu'ils ont la solution de tel problème. Qu'ils veulent maintenir l'esclavage sous d'autres formes, qu'ils veulent faire quoi? Puisque ce sont tous des anciens colons. Et je répète, qu'ils sont tous des anciens colons, dotés de leurs petits-fils. Même gens ont changé. Jean-Jacques Dessalines, non. Ces mêmes gens, ou ambassadeur français, a changé Napoléon Bonaparte. Si l'histoire dit vrai, sinon, bon monde cap fait mentir. Jacques, est-ce que ou pas de doute que peuple là a connaît que toute bagarre. Est-ce qu'on pas gain doute que investigation qu'a fait là, il a vinn bay toute bagarre Jean pour tailler ou bien on ti bay que il y a bon ou morceau pour manger mais pas bon toute histoire. Peuple là gain tant compte toute bagarre, oui pas tout coup. Nèg yo investigation y a fait, c'est pour qu'a vini ou avec on ils ont des données pour troubler probablement sa peuple la connaît déjà. Mais qui ça pour peuple la pas connaît là? Qui petit monde petit qui pas qu'à fond déduction là? Que le président haïtien est mort, assassiné, avec un tel mort distorde, avec un crime en grande distorsion. Côté que personne pas qu'à expliquer qui grosse haine pour moun gen en bio pour que c'est comme ça ou exprimer là en nation. Qui est-ce qui ne peut pas comprendre? Qui est-ce qui ne peut pas raconter l'histoire? Même l'histoire de Dessalines qui était faite à l'ère de l'ignorance totale de la communication, de la technologie. Il y a certaines personnes que la petite histoire raconte
de famille en famille, comment il a été assassiné. Aujourd'hui, on est à l'ère de la technologie. Tout le monde, dès qu'on a menti, on a menti, on monte sur Google, c'est tout, tata, papa, tu m'as menti, oui, parce que voilà ce que j'ai trouvé. Et puis, quand il y a des gens qui ont dit qui ça, tout est là. D'autant plus, tellement il y a d'informations réelles autour de cet assassinat, fais-moi confiance, que pas grand monde, ni moi, ni où, ni peuple là, qui pas comprendre, qui pas connaît déjà ça qui passait. Mais maintenant, comme on a un système de justice national ou international qui l'a pour légalement, formellement produit un résultat, si le résultat correspond à ce que nous, nous savons, ok, mais si ça ne correspond pas, notre vérité reste dans notre tête et la lutte ne fait que commencer. Jacques, message à la nation pour fermer l'interview, dégageons. Tête fouette, peuple haïtien. Nous pouvons déjà que nous intelligents, puisque silence nous, retenu nous, on connaît que le pas innocent. Il faut que nous lançons dernier assaut pour la libération totale de ce pays. Et ceci, si nous décapons moins de dégâts possibles, est très bon. Parce que la solution pas venir d'un monde qui gagne un sens de juste milieu. Et un monde qui a courage et capacité pour conjuguer la politique à la première personne du pluriel, pas à la première personne du singulier. Pour arrêter de parler de je, pour dire cette fois-ci que nous avons et nous allons gagner une bataille. Je saurai me conduire en chef. Merci Jacques. Kenwila, à la prochaine.